Eh bien, bonjour à tous, c'est Stéphane de Gundestad. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de Cook & Sport. Je rappelle le concept, un chef cuisinier propose à des sportifs de haut niveau et un chef d'entreprise de réaliser une recette bonne, rapide et économique. Nous indiquerons bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, la recette du chef à la fin de l'émission. Pour commander cette brigade, le maestro du jour a gagné Masterchef en 2013. Il possède son restaurant L'Inattendu dans le 6e arrondissement de Lyon. J'accueille Marc Boissieux. Bonjour Marc, bonjour chef. Salut Stéphane, ça va ? Bien et toi ? Super, en pleine forme. Ravi de te retrouver pour cette deuxième édition de Cook & Sport. Oui, ça fait très plaisir. Je te remercie d'ailleurs de participer une deuxième fois. Écoute, avec grand plaisir. Écoute Marco, tu connais le principe, je vais te présenter notre chef d'entreprise. Alors dis-toi bien que lui, il est capable de transformer un champ en aéroport. Il gère la société Stahl TP, il est basé à Chassieux. J'accueille Anthony Stahl. Salut Anto. Salut Stéphane, salut Marco. Très content de vous retrouver. Un peu vexé parce que j'aurais aimé être dans la première édition, mais bon, être dans la deuxième édition, c'est pas mal. Donc, très heureux d'être avec vous. Merci à toi. Je vous présente les sportifs, les gars. Attention, on a du lourd. On a du très lourd. Le premier sportif, il est adepte des médailles. C'est un handballeur. Il est buteur hors norme. Il faisait partie de l'équipe des experts. Mais je reviendrai sur tous ses titres un peu plus tard parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il a mis un terme à sa carrière aujourd'hui, mais il va nous expliquer son nouveau rôle. J'accueille Guillaume Joly. Salut Guillaume. Bonjour Guillaume. T'es pas sur le parquet, mais peut-être le parquet de la cuisine, t'es en forme, t'es prêt à... Je suis prêt à répondre à tous les défis lancés par Marco, pas de soucis. Ah ben c'est génial. Eh ben je vais accueillir ton homologue sportif et le dernier. Alors lui, il est plutôt au début de sa carrière, contrairement à Guillaume. Il était formé au loup depuis l'âge de 6 ans. Il a gravi tous les échelons pour devenir professionnel. Aujourd'hui, il en est même le capitaine. C'est l'un des acteurs principaux du top 14. Il est international. Moi, je dis que c'est le Zidane du ballon ovale. J'accueille Baptiste Couillou. Belle entrée, pas de blessure, super. Mais écoutez les gars, je vais vous laisser dans les mains de notre chef Marco qui va vous présenter la recette du jour et celle que vous allez réaliser. À toi Marco, bonne chance les gars. Alors les gars, puisque vous avez fait les courses, vous devez vous douter à peu près de ce qu'on va cuisiner parce qu'on a des courgettes, du saumon, on va faire un plat froid, il n'y aura pas de cuisson, on va faire un tartare de saumon avocat aromatisé avec la ciboulette, un peu de citron vert, de l'huile d'olive et on va faire un taboulé de courgettes. Baptiste, il a acheté 6 saumons, donc il y a du monde qui va venir. Allez, je me suis fait un emploi du temps pour ce soir, laisse tomber. Bon, je vous propose de sortir les ingrédients, on va commencer évidemment avec le saumon, donc un joli filet de saumon, donc pour 4 personnes, je vous ai compté à peu près 450 grammes de saumon, donc voilà un joli filet de saumon, donc là je me suis pris 3 petites courgettes, c'est des courgettes bio qui viennent du jardin de Vartan à Décines. Hop, des citrons verts. On peut faire ça avec du citron jaune. Moi, j'ai une préférence pour le citron vert. Ça a un petit peu plus de peps. Voilà, ça a un peu plus de goût. De la menthe fraîche. Les petites tomates cerises. De l'avocat. Et après, évidemment, sel, poivre, huile d'olive. Enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Il n'y a pas de plastique. C'est bien. Tout est bio. Tout vient des producteurs du coin. Tout est de saison. C'est important. Voilà, c'est hyper important. Et puis surtout, attends, avec le truc qu'on est en train de vivre en ce moment, il faut vraiment prendre conscience que... Voilà, notre environnement, faut le respecter. On a de la chance en plus, nous, dans le Beaujolais, dans le Lyon, les Monts d'Or, etc., d'avoir un bassin d'agriculture hyper important. Donc, on peut en profiter, quoi. Marco, j'ai une question. Est-ce qu'il y a de la crème dans le plat qu'on va faire ? Parce que c'est important, je pense, quand même. Je ne veux pas te donner des conseils, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de crème. Eh ben, il y a un petit peu de crème. C'est mon astuce du chef. Tu viens de faire beaucoup de crème. Ah, merde. Coupe. Ouais, l'astuce du chef, moi, je mets un petit peu de crème dans le tartare saumon, juste pour le lier et le rendre un peu plus doux. Donc, les gars, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de prendre votre saumon, vous le mettez sur votre planche. Vous prenez un couteau assez long avec une lame assez fine. Voilà, un petit couteau comme ça, c'est bien. On va ce qu'on appelle le paré. Le paré, c'est-à-dire que si vous avez des parties blanches sur votre saumon, alors je ne sais pas ce que votre poissonnier vous a donné, mais vous voyez toutes ces parties blanches-là, et ici, ça, on va y enlever.
Anthony, pendant que tu coupes le saumon, est-ce que tu peux te présenter ta société, expliquer à tout le monde ce que tu fais? Ouais, je travaille dans les travaux publics et l'aménagement. Donc, on a différentes structures. C'est une société lyonnaise qui existe depuis 1946, donc société familiale. Voilà, créée par mon grand-père après la Seconde Guerre. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer très tôt dans l'entreprise. Et puis, puis maintenant, depuis 17 ans, j'exerce ce métier. Et puis, on a pas mal développé les choses. Et finalement, avec le sport, il y a pas mal de rencontres aussi qui se sont opérées. Bon, tu sais, je suis issu du foot aussi, mais beaucoup de rencontres avec les projets qui ont lieu en ce moment, que ce soit... Le parc olympique lyonnais ou sur les dernières années ou les futurs projets qu'il va y avoir. Donc voilà, beaucoup d'activités. Je parle bien sûr avant notre épisode Covid. On a 250 collaborateurs. On travaille sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour certains clients, on se déplace dans toute la France. Voilà, on a deux joueurs là, spécialistes des mains en plus. Hein. Ouais. Ça se voit. Hein. Il y en a qui s'en servent mieux que d'autres. Voilà. On va attendre que Baptiste enlève sa peau. Ah, c'est pas si mal, Baptiste. Le mieux, c'est quand même que la peau soit côté de la planche, en fait. On va faire des cubes. Donc, pour faire des cubes, on va d'abord couper toutes nos tranches dans ce sens-là sur 1,5 cm de large. Alors, je vais en profiter là pour. J'avais dit que j'allais donner un peu le palmarès de Guillaume, parce que je vais commencer maintenant pour finir demain matin. Bon, j'ai eu la chance de passer un long moment sur les terrains. Je crois que c'est 18 ou 19 ans de carrière pro. Voilà, j'ai eu la chance de jouer dans les deux grands championnats chez nous, qui sont l'Allemagne et l'Espagne. Donc c'est vrai que plein de belles aventures, plein de belles rencontres humaines notamment, et plein de choses partagées. C'est vrai que voilà, je me suis retrouvé dans des clubs où pour moi toujours l'aspect humain a été le plus important. Donc voilà, effectivement, comme tu disais, j'ai commencé à Lyon. Et pour un Lyonnais, c'est vrai que c'est toujours quelque chose de sympa. Je pense que Baptiste pourra le confirmer plus tard. Dans un club de sa ville de cœur, bah forcément, ça prend un trip. Hein. Et malheureusement, le club descendant, j'ai dû aller chercher le niveau de jeu ailleurs pour pouvoir continuer à atteindre mes objectifs, notamment l'équipe de France. Et c'est pour ça que je m'étais engagé avec Chambéry, où j'ai connu les premières sélections avec l'équipe de France. Et puis voilà, après, je suis rentré dans la grande famille bleue. Et puis voilà, après, on a eu la chance. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer à l'étranger. Voilà, j'ai joué en Espagne, j'ai joué en Allemagne. Donc, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Je me sens vraiment privilégié, en tout cas, en tant que sportif. Et puis voilà. Privilégié deux fois, parce que maintenant, je vais vous énoncer un peu les médailles. Alors, tu démarres gentiment quand même, hein, en 2004-2005, où tu finis meilleur buteur de LNH avec 164 buts. Bon, c'est juste la petite mise en forme. Tu attends un peu, en 2009, eh bien, ça démarre. Donc, médaille d'or au championnat du monde en Croatie. 2010, médaille d'or au championnat d'Europe en Autriche. 2011, médaille d'or au championnat du monde en Suède. 2012, médaille d'or au JO de Londres. 2012, en club, trophée des champions avec Dunkerque. 2013, coupe de la Ligue avec Dunkerque. 2014, champion de France avec Dunkerque. Également 2014, médaille d'or au championnat d'Europe au Danemark. 2015, médaille d'or au championnat du monde au Qatar. C'est pas énorme ça? Ouais, c'est plus que ce que j'aurais pu penser dans mes rêves étant plus jeune. Effectivement, j'ai eu la chance peut-être de me trouver au bon moment, au bon endroit, ou en tout cas dans la bonne génération du handball français. Parce que c'est vrai que j'ai fait 7 compétitions internationales, on a gagné 6. Donc voilà. Après, effectivement, les Jeux Olympiques restent peut-être le moment le plus fort de ma carrière, parce que les Jeux Olympiques, pour tout le monde, je pense que ça, pour tout sportif, ça représente vraiment le Graal. D'y participer, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Après, d'avoir la médaille d'or, bah, d'autant plus. Effectivement, ça touche plus de gens. Donc, quand on rentre en France, on se rend d'autant plus compte de l'effet que ça a. Voilà, après, voilà, en toute modestie, voilà, on a essayé de faire notre petit parcours, on s'est éclaté, on a eu la chance d'amener notre sport à être reconnu, donc on est très content en tout cas. Sachant que quand ils ne gagnent pas,
Bah, il ne s'endort pas non plus parce qu'il est quand même vice-champion de France avec Chambéry en 2006, 2008, 2009 et 2010. Et avec Dunkerque, vice-champion de France en 2013. Donc s'il n'est pas premier, il est deuxième, le type. Donc, Ouais. Bon, c'est comme ça. Après, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Peut-être. Je pense que ça laisse rêveur un jeune athlète comme Baptiste qui aimerait avoir deux, trois titres comme ça. Hein. Bah, déjà, un, ça serait pas mal. Il n'y a pas les Jeux Olympiques, il n'y a pas la Coupe du Monde, mais ça doit te laisser rêveur, non ? Ah ouais, mais déjà un titre, ça serait pas mal. Après, les JO, nous, il y a une possibilité aussi avec le rugby à 7, mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis c'est sûr qu'on a moins de chances d'être champion olympique, quoi. Donc, mais c'est sûr que ça fait rêver, en tout cas. Mais comme disait Guillaume, toi, Baptiste, de jouer aujourd'hui et d'être le capitaine du club dans lequel tu as démarré, ça doit faire quelque chose. Ouais, c'est clair que c'est riche en émotions. Puis c'est vrai que c'est assez motivant à chaque match quand tu joues dans des stades comme Gerland qui sont c'est un symbole de la ville de Lyon. Ne serait-ce que ça, ça représente énormément. Moi, j'étais fan de foot quand j'étais jeune. Mon père jouait au foot, il nous emmenait souvent au stade. Et ce simple fait-là de jouer à Gerland et d'avoir cette chance-là. Ça représente énormément et je pense que ça joue aussi pour des jeunes joueurs comme moi, pour avoir en fait une source de motivation quand on se lève le matin et qu'on se bat pour et qu'on défend le club de notre ville. Franchement, ça joue, ça aide. J'imagine. Et par contre, je voudrais savoir, Baptiste, il s'est passé quoi chez toi ? Parce qu'effectivement, tu as un papa footballeur qui a joué à un bon niveau et toi et ton frère, c'est le rugby, vous avez été punis ? Figure-toi que nous, on voulait faire comme lui, on voulait faire du foot. Et il avait joué beaucoup à Saint-Priest, à Vaux-en-Velin. Et je pense qu'il était pas mal, mais je l'ai jamais trop vu jouer. Et c'est vrai que lui, il avait fait une année de rugby avec son entreprise, tu vois, à la fin de sa carrière de footballeur. Et quand il nous a demandé quel sport on voulait faire, on avait répondu du foot. Et la semaine d'après, il nous avait inscrit au rugby. Donc on est. Je me rappelle, on pleurait tous les deux dans notre chambre, mais finalement, il a bien fait, quoi. Tu disais puni, en fait, peut-être qu'il aura filé une chance à ces gamins, en fait, c'est tout. C'est clair. Alors, je pense qu'il a eu le nez creux, le papa. On se pose toujours les questions quand on devient des vieux cons à partir de 40 ans, tu vois. Tu te dis, ouais, les jeunes, machin. Toi, tu en as 22, et franchement, les valeurs que tu véhicules, toi, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Louis Barassi aussi. Pareil, je trouve que toute cette génération et tous les jeunes qui arrivent là, en équipe de France, les Ntamak, etc., on a l'impression que vous êtes vraiment, vraiment des bons mecs, quoi. Effectivement, je pense que les jeunes sont encore humbles, il n'y a pas de souci. Après, les choses ont évolué. Je pense que la chance qu'on a connue, nous, de connaître notre sport qui était semi-pro, à l'emmener jusqu'à être pro, voire très pro, fait qu'on a vécu des choses en dehors du terrain, notamment en troisième mi-temps, qui ne pourraient peut-être plus se vivre aujourd'hui, du fait peut-être d'une part aussi des réseaux sociaux, et que peut-être que les jeunes d'aujourd'hui sont obligés de plus se protéger et parfois de mettre la carapace. Mais effectivement, quand on creuse un peu, les gamins, ils ont quand même été au contact d'éducateurs. Et ce qui fait que les valeurs, elles sont transmises. Après, forcément, ça change, les temps évoluent, et puis on a l'impression parfois d'être un peu un vieux con aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai arrêté vite. Tu disais, Anthony, de par ton boulot, tu étais amené à aller régulièrement, voire très régulièrement au restaurant. Donc, tu as vraiment une approche. Comment est ton approche plutôt par rapport à la gastronomie ? Est-ce que tu y vas par nécessité justement au resto, ou alors maintenant c'est vraiment du plaisir et t'en abuses? Ah, j'espère être comme beaucoup de Français, on apprécie la belle cuisine. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est une chance de pouvoir cuisiner avec Marco aujourd'hui, parce que voilà, il fait partie de ces gens qui aiment aussi leur métier, ça se retranscrit dans son assiette, hein. Franchement, à chaque fois, c'est des belles découvertes. Voilà. Et puis après, c'est très aussi propre à notre métier. Voilà. L'image du bâtiment et des travaux publics, c'est les bons casse-croûtes aussi, les mâchons pour ceux qui connaissent. Mais c'est vrai que dans le BTP, il y a une vraie tradition, et notamment sur les fins de chantier, quand on fait un gigot bitume.
Ah, tout à fait, ouais. T'as déjà mangé ça, toi, Antonia, gigot bitume? On le fait même, tout à fait, ouais, on en fait. Alors, c'est vrai que ça fait partie des traditions de nos métiers. C'est délicieux, hein, voilà. Moi, j'ai la chance. Le gigot qui cuit dans le bitume, dans son jus, dans l'aluminium, c'est magnifique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'adorais bouffer, j'adorais boire un bon petit canon aussi. Et j'avais tendance à prendre du poids, donc forcément, j'ai été amené à faire des régimes, notamment l'année des JO. Quand j'étais en Espagne, donc j'ai perdu 5 kilos, mais mon entraîneur espagnol m'avait dit « si tu veux faire les JO, tu perds 5 kilos, tu es froid ». Et il ne m'avait pas menti, hein, donc il a été plutôt visionnaire. Donc j'avais été voir un homéopathe et tout, j'avais mis des choses en place pour qu'on puisse suivre un traitement. Et voilà, pour atteindre tes objectifs, bah, tu es obligé de faire des sacrifices. Maintenant, les émotions que tu vis dans le sport, et elles en valent bien la chandelle, quoi, c'est de ces sacrifices. Alors l'avocat, tu le coupes en deux, Baptiste. Ah oui. Tu le coupes en deux, tu vois, comme ça, avant de l'éplucher. Ouais. Complètement, tu fais tout le tour de ton avocat. Ça, je vais y arriver. Et après, tu vas l'ouvrir en le tournant. Ça va. Voilà, comme un Kinder Surprise. Tu vois, c'est voilà. Dans le corps. Après, t'as ton noyau. Ah, tu l'as enlevé. Bon, ok. Sinon, j'avais une technique. Bon, et bouffez-moi toutes mes techniques, les mecs. Hein, y a pas de soucis. Et ensuite, tu vas couper des petits cubes. Donc, de la même manière que le saumon, tu vois, tu fais d'abord des tranches dans la longueur. Ensuite, ouais. Tu retournes. Tu retailles éventuellement s'il faut, il faut faire plus petit. Et après, tu tailles des cubes un tout petit peu plus petits que ceux du saumon. Et tu mélanges avec le saumon. Donc, comment vous avez vécu le confinement, Anthony, là, avec 250 collaborateurs? Ça ne doit pas être évident à gérer, tout ça. Alors, ils sont sur plusieurs sites. Voilà, on a une seule structure qui a pu continuer à travailler... C'est une société d'enseigne qu'on a dans le sud de la France, du côté de Montpellier, qui eux, en fait, travaillant un peu la matière pour faire des enseignes commerciales d'entreprise ou des choses comme ça, si tu veux, avec du plexi, donc ils ont pu faire des protections en plexi comme celles que vous pouvez voir quand vous allez dans certains guichets ou supermarchés, etc. Donc eux, ils ont eu, paradoxalement, et avec la période, pas mal d'activités. Là-bas, on avait une quinzaine de collaborateurs qui ont pu continuer à travailler. Après, bah, dans les travaux publics, c'était l'arrêt total depuis le 17 mars. Donc, on a repris les premiers chantiers le 20 avril. Voilà, mais c'est seulement maintenant, tu vois, la semaine du 11 mai, qu'on arrive un petit peu à retrouver un rythme, je dirais, qui est un peu plus qui est soutenu et qui nous permet de, bah, d'être dans une activité à peu près normale, quoi. Les gars, ciboulette en main? Ouais. Si vous l'avez. Ah, la ciboulette, c'est les longues tiges, Baptiste. Ouais, mais ouais, c'est bon, j'ai. Il était déjà en train de manger, Baptiste, mais il croyait qu'il a fini le plat. Les tomates, on les met où en attendant là? Tu veux qu'on les mette avec le... avec le saumon, tu mélanges avec saumon avocat. Ok. Et donc, on va prendre notre petit bouquet de ciboulette et on va le ciseler. Ouais, Baptiste, il a triché là, c'est un scandale. Ah oui, bah écoute, il a 22 ans, ça va, à 22 ans, je ciselais pas ma ciboulette. Le confinement, Guillaume, pour toi, ça s'est passé comment? Écoute, on a beaucoup travaillé en visio sur l'ordinateur. Tu n'as pas expliqué aujourd'hui ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis responsable du pôle espoir sur le site de Lyon, sachant que le pôle espoir, qui est l'ancien sport-études, aujourd'hui est en grande région, donc on est sur Aura. Il y a un site à Chambéry, un site à Clermont, et puis moi je suis responsable du site de Lyon. Je suis aussi responsable de toute la détection sur les gamins qui sont sur les stages régionaux. Donc voilà, pas mal de travail parce qu'effectivement il a fallu expliquer à certains, et c'était compliqué que l'aventure s'arrêtait avec nous. Je pense que c'est, en plus c'était ma première, donc voilà, d'une c'était pas facile, et d'autant plus en visio. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer à ces jeunes-là que l'aventure s'arrête. Mais en visio, c'est encore plus dur. Donc voilà, pas que des moments agréables. Et puis, on a aussi travaillé sur la prochaine saison, beaucoup, sachant que les listes là sont sorties cet après-midi. Donc voilà, on travaille beaucoup en visio, donc on s'adapte. Le terrain manque. Moi, ce qui m'a plus manqué, c'est le lien social. Après, j'ai eu la chance d'emménager près de chez Marco dans le Beaujolais une semaine avant le confinement. Donc j'ai eu bien du temps pour m'installer, bien du temps pour travailler aussi un peu le jardin. Voilà, j'ai mis des poules pour les enfants, donc voilà, j'ai fait des choses que j'aurais pas eu le temps de faire
si j'avais pas eu le confinement. Donc voilà, moi ça s'est bien passé. J'ai la chance d'être d'avoir un jardin. Ensuite, moi j'ai fait du jus de citron avec mon petit presse-agrumes et l'équivalent de deux citrons. Et je vais en mettre un petit peu déjà dans mon tartare pour assaisonner. Donc on a mis notre jus de citron dans notre tartare de saumon, sel, poivre. C'est maintenant qu'on assaisonne. Allez-y sur le sel, n'hésitez pas. Hein. C'est même si le saumon est salé. On s'en fout. Ouais, il faut l'iode. En fait, le saumon iodé et le sel va t'apporter encore autre chose. Donc, moi, j'aime bien sel, bien saler les poissons. Et surtout que là, bon, t'as l'avocat, t'as la tomate qui, eux, ne sont pas salées. Donc, du coup, voilà, faut réassaisonner le tout. Un peu de poivre. Donc, la ciboulette est déjà mise. Le citron, de l'huile d'olive. Donc, si vous m'avez vu passer avec mon gros bidon, c'est mon bidon d'huile d'olive, celui-là. Et ensuite, alors, petite astuce de chef. Moi, j'aime bien, dans mon tartare de saumon, comme ça, rajouter un peu de crème. Voilà. C'est la surprise du chef. Voilà, j'en mets un tout petit peu, pas grand chose. C'est juste pour lier, en fait. Ça va me permettre d'apporter ce qu'on appelle une liaison et de l'adoucir un petit peu, en fait, mon tartare. Là, le tartare de saumon que je vous donne, c'est une recette de base, en fait. Vous pouvez rajouter de la sauce soja. Vous pouvez rajouter de l'huile de sésame, de l'huile de noisette, de l'huile de noix, de l'huile à l'ail, une huile aromatisée, du vinaigre, pourquoi pas, un petit peu de vinaigre pour apporter un petit peu d'acidité. Un vinaigre balsamique, par exemple, ça pourrait apporter à la fois de la sucrosité et un petit peu d'acidité. Donc voilà, donc là, votre tartare de saumon, c'est une base. Moi, je le sers comme ça, il est très bien comme ça. Mais si vous avez envie de l'améliorer, bah, voilà, un petit peu de piment d'Espelette, pourquoi pas. Si tu reçois des gars du sud-ouest du rugby, voilà, pour ton frère qui joue à Biarritz, un peu de piment d'Espelette, pas mal. C'est ça que j'ai mangé chez toi à 40 euros là. Ben, ça va, t'as pas payé cher toi, t'as de la chance, t'es bien vu. Ah ben c'est l'entrée. Hein. 40 euros. Je te jure. Bon, les courgettes, moi je les ai coupées en tronçons comme ça de cette taille là. En deux quoi. Non, bah alors moi les miennes qui étaient petites, oui. Mais toi, t'en avais une très grosse tout à l'heure, enfin, de courgette. Ouais. J'aime bien quand tu me parles comme ça, Marco. Je le reconnais un peu. Ouais, toi, elle est énorme. Je te montre la mienne. Ouais. Est-ce que chacun peut montrer sa courgette? Voilà, donc les courgettes, une fois qu'elles sont comme ça, on va les tailler toujours dans le sens de la hauteur. Hop. Pour avoir des tranches de cette taille-là. OK. Oui. Tac. Okay. Et toi, ton confinement, Baptiste, tu nous as pas raconté? Écoute, moi, ça s'est bien passé. Franchement, heureusement que mon petit frère est revenu de son Pays Basque, où il joue actuellement. Ça nous a permis d'être ensemble, de continuer à nous entraîner. Et puis, j'avais 2-3 travaux à faire chez moi, donc on en a profité aussi. Et globalement, ça s'est bien passé parce qu'il faisait beau, quoi. Surtout, on était motivés pour sortir, pour s'entraîner dans le jardin. Donc, c'était heureusement qu'il était là, quoi, honnêtement. Après, là, c'est un peu difficile parce que j'ai pas l'impression d'être déconfiné du tout parce qu'il y a peu d'activités à faire. Nous, ils nous demandent quand même de faire attention. Et voilà, c'est vrai que ça commence à être un peu long, mais ça va. Il y a un préparateur physique qui vous a fait un programme ou c'est libre champ à chacun? En fait, ce qui était difficile à gérer, c'est qu'on n'avait pas tous le même matériel et qu'on ne disposait pas tous du même espace. Donc, bah oui, si tu veux, les prépas physiques nous ont proposé des séances en fonction du matos qu'on avait, mais globalement, on a été assez libre. Les premiers matchs, ils auront lieu normalement en septembre. Et donc, voilà, d'ici là, il y a quand même pas mal de protocoles qui vont être mis en place pour prendre dans les meilleures conditions, quoi. Alors, les gars, une fois que vous avez vos tranches, vous retournez dans l'autre sens de manière à faire des bâtonnets comme ça. C'est toi, t'es supporter de l'OL à mort, Baptiste? Ouais, grave. Je me souviens, j'ai un souvenir, la première fois que je t'ai vu, c'était pour le premier foot golf auquel j'ai participé il y a 2 ans. Ouais. Et on avait après passé la soirée ensemble et il y avait Sydney qui était là. Ouais. Je me rappelle des yeux que tu avais quand tu étais à côté de Sydney et ça m'a montré justement l'humilité que tu avais parce que tu le regardais comme une star, une vedette, enfin certainement l'idole de ta jeunesse, quoi. Bah, c'est vrai que franchement, les premières fois où j'ai été convié aux événements de Gundestad, c'était génial pour moi parce que ça nous permettait de rencontrer plein de sportifs. Déjà, je trouve que c'est hyper inspirant. Et puis plein de joueurs et de sportifs qui ont marqué, moi personnellement, ma jeunesse. Donc, ouais, c'était génial. C'est sûr que
ça me rendait super heureux, en tout cas, de participer à ça. Ça me rend toujours super heureux, mais disons que maintenant, j'ai un peu plus l'habitude de voir des mecs comme Sydney, donc c'est moins impressionnant maintenant. Bon, en tout cas, je te remercie, Baptiste, de faire un clin d'œil, et à Marco, de faire un clin d'œil au foot golf et à Gundestad, parce qu'au moins, ça nous montre que quand on essaye de faire ces événements, c'est justement dans ce but-là, c'est de faire rencontrer les gens et qu'il y ait de nouvelles alchimies qui naissent. Et ça, voilà. Maintenant, les gens ont aussi le temps, pour la plupart, puisqu'ils ont terminé leur carrière, de se croiser un peu plus souvent. Alors, toi, t'es pas dans ce cas-là, mais tu prends le temps de venir croiser les autres. Et moi, je t'en remercie pour ça. Écoute, hein. C'est grâce à toi, hein, surtout. Et on n'oubliera pas, je mettrai aussi Joe Wisniewski, Thibaut Regard et Julien Puricelli dans le lot, puisque vous faites tous les quatre partie de la team qui vient régulièrement. Ouais. Et avant chaque match, on a le droit à ton petit message pour nous souhaiter bon courage. Et on répond tous avec la même réponse. Voilà, les courgettes après, tout petit dé. Tout petit. Vraiment. Hein, pour pas que c'est de la taille de la cible, mais vraiment des tout petits dés. Et donc toi, Anthony, ça fait combien de temps que tu as repris le club de Chassieux ? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans maintenant, avec une belle évolution, un beau projet de formation, avec les labellisations des écoles de foot sur les plus jeunes, des sections sportives dans les lycées de nos communes. Voilà, et puis pas mal de montées sur les dernières années, donc c'est bien. C'est le fruit aussi, je pense, du travail qui a été fait sur la formation. Donc mes petites tomates cerises que j'ai coupées à l'intérieur, comme ça, et là je vais les saler en fait, comme ça elles vont rendre du jus et de l'eau en fait. Attends, il fallait garder des tomates cerises ? Oui. Il les a bouffées lui. Bah, moi je pense que j'ai fait... Moi les tomates elles sont mises depuis le début, hein. J'ai pas compris, à mon avis il y a eu un souci. Hein. Moi je suis prêt, moi je vous écoute, mais je suis prêt à manger là, à mon avis c'est bon. Mais attends. Il y en a mis une courgette à mettre là ? Non mais moi j'ai tout mis dedans moi à chaque fois je mets tout dedans. Champion. Et putain, on a un champion. Et on le tient. On n'est pas mercredi soir, mais on l'a. Non, coupe. Ce soir sur TF1, diffusé le dîner de con. Non, mais il est magnifique. Hein. Il est diffusé ce soir. Et en bon, allez, au montage, tu m'enlèves ça. Et c'est pas grave. Alors, les petites courgettes avec les petites tomates cerises ou une tomate, c'est bien, Baptiste, c'est très bien. On va aromatiser toujours avec un petit peu de jus de citron, donc toujours dans l'esprit d'un taboulé. Donc comme j'ai dit, on sale d'abord pour qu'elle rende un peu, qu'elle crache un peu la flotte. Ouais. Voilà, pour que ça dégorge. Hop. On va mettre un petit peu de jus de citron. Toujours pareil, on commence par un petit peu, et puis on rajoute éventuellement s'il y a besoin. Un petit peu d'huile d'olive, la menthe, qu'on va ciseler très finement. Ouh là là, attends, on n'est pas là, nous. Ça va trop vite. T'es en train d'enlever le blanc au saumon, Baptiste. Voilà. Voilà, on vient mélanger tout ça. Et donc là, on a vraiment comme dans l'esprit d'un taboulé. Donc avec tous les mêmes ingrédients. Et vous allez voir que juste en fermant les yeux, si vous goûtez, je vous assure que vous aurez l'impression de manger vraiment comme un taboulé. Je rebondis, je continue sur les anecdotes avec toi, Guillaume. T'as quand même joué avec de grands joueurs. Il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres ou un état d'esprit qui t'a marqué. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? C'est difficile d'en sortir un parce que effectivement j'ai eu la chance avec les experts de connaître tous les plus grands joueurs de mon sport. J'ai eu la chance aussi de jouer avec un grand joueur étranger qui s'appelait Ivano Balic, qui était un peu l'ennemi juré avec la Croatie. J'ai fait un tour avec lui en Allemagne et c'est vrai qu'il avait ce refrain de dire à la fin c'est les Français qui gagnent, ça me faisait sourire. Et on a pu échanger un petit peu parce que du coup comme on avait joué tous les deux en Espagne, on parlait espagnol tous les deux. Et c'est vrai qu'on était assez proches et c'était vraiment on a partagé pas mal de choses, donc c'était vraiment sympa. Après chez les Français, moi j'étais très proche de Michael Guigou, peut-être parce que nos gabarits nous rapprochaient et qu'on tirait les pénaux tous les deux. Après j'ai grandi, nous on est tous de la même génération, avec Karabatic, avec Abalo, avec Sorando, avec Dumoulin, Gérard, donc en fait on a grandi dans les équipes de France Jeunes. Et voilà, on parlait de rugby tout à l'heure, et quand on voit la génération qui vient d'être championne du monde 19 et 21 ensemble, bah voilà, c'est des choses qui me rappellent des souvenirs, même si on était des pipes intégrales en jeunes, on a eu la chance de tout gagner chez les grands, et bon voilà, c'est aussi des très grands souvenirs, voilà, on a grandi ensemble, donc c'est dur d'en sortir un,
mais en fait, tous ont un caractère différent. C'est vrai qu'on peut parler aussi de Titi, qui est juste une machine, hein, qui est quelqu'un qui est une interrogation pour Donc voilà, donc ça, on a notre petit taboulet de courgette qui est prêt, notre tartare de saumon que moi j'ai sorti du frigo là à l'instant. Prêt. On va pouvoir passer au dressage. Alors là, le dressage, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien dans des petits pots comme ça, dans des verrines, dans des trucs un peu sympas. Bah, chacun dresse son assiette, son petit bol, et puis vous me le montrez, je valide ou pas. Je te montre mon petit dressage quand même. Hein. Allez, j'ai pris l'assiette de ma fille, comme ça va être l'heure de manger. Ouais, dis donc. Nickel. C'est pro. On va essayer de faire un petit poisson quoi, pour lui faire plaisir. Et puis, voilà. Ouais, génial. Super. Et ça, donc, ta fille va manger ça ce soir? C'est son repas? Écoute, là, ça commence à... Les gars, vous discutez, ouais. ils ont les points. C'est ça, à la tête. Du coup, Guillaume, parce qu'on approche, je pense, sans tarder de la fin, un petit mot sur cette expérience? Écoute, top. C'est vrai que moi, j'adore cuisiner, donc ça a été peut-être plus facile que mes deux collègues. Mais en tout cas, c'est toujours des bons moments. Le fait de partager avec Baptiste, que je ne connaissais pas, c'est sympa parce que, étant de retour sur Lyon, de connaître les sportifs lyonnais, partager nos expériences, c'est quelque chose que j'adore. Enchanté. Et puis, on se recroisera forcément sur les terrains. Puis, de voir des chefs d'entreprise, c'est toujours sympa de comparer le monde de l'entreprise et du sport. Je pense qu'on a plein de choses. Plein de choses transversales qui peuvent être comparées, en tout cas. Anto, pareil, ton retour sur cette expérience, cette première expérience, parce que toi, c'est vrai que tu m'as dit d'entrée de jeu, oulala, mais où tu m'emmènes? Écoute, moi, je suis plus cauchemar en cuisine que Masterchef, tu vois. Mais très content. Bah, Marco et toi, Steph, évidemment, on se connaît. Très content d'avoir rencontré Baptiste et Guillaume. Voilà, des belles personnes, j'en doutais pas. En espérant qu'on puisse tous se retrouver autour d'une assiette prochainement, voilà, c'est mieux qu'en visio, ça sera avec grand plaisir. Les sportifs, c'est des compétiteurs, avec l'entreprise, finalement, c'est deux mondes parallèles, mais qui sont très proches. Et beaucoup de sportifs de haut niveau se reconvertissent aussi dans l'entreprise derrière, donc, parce que l'aspect compétiteur, nous, en tant que chef d'entreprise, on est très contents de les retrouver. C'est ce que tu disais, de toute façon, c'est le concept vraiment de l'émission, où on sait qu'entre la gastronomie, l'entreprise et le sport, il y a des liens forts. Les chefs d'entreprise sont des sportifs dans leur domaine, et certains sportifs sont des chefs d'entreprise, comme tu l'as dit, donc c'est plutôt top. Baptiste, ton retour, toi, pour cette première de cuisine? Écoutez, merci à vous, en tout cas, pour ce beau moment. Merci, Marc, pour la recette. C'est vrai que c'était un peu une première pour moi. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai pas eu besoin d'utiliser ma bouilloire. Donc, après, je pense que dommage qu'on n'ait pas l'occasion de le déguster ensemble, parce qu'il y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec vous, que ce soit plutôt sur le management des équipes, comment vous faites aussi pour faire preuve de leadership dans vos domaines respectifs, puis aussi comme tu viens d'évoquer la reconversion, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, parce que je me pose quand même des questions par rapport à ce que je ferai plus tard. Et je m'oriente plutôt vers la construction aussi. Donc Anthony, peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser. Merci à toi d'avoir participé. L'occasion de pouvoir déguster ensemble, ça donnera l'occasion de refaire peut-être une autre émission dans un autre contexte. Je le souhaite. Et puis vous serez toujours les bienvenus, en tout cas. Et Marco, merci encore à... Merci encore à toi de nous offrir tes talents. Merci de me faire vivre des moments pareils, parce que franchement, tous les quatre là, c'était super agréable de passer ce moment avec vous, de cuisiner un peu, de vous faire partager un peu de ma passion. Et puis j'espère que là, dans le quart d'heure qui va suivre ce moment-là, vous allez vous régaler vos familles. Voilà. Merci à toi, Marco. Merci les gars. Et puis bonne dégustation. À bientôt dans Cook & Sport. Merci à tout le monde. Bon appétit.